Prêt Express est le nouveau produit de microcrédit par mobile mis à la disposition des populations guinéennes par MTN Momo. C'est grâce à un partenariat entre MTN Momo, EcoBank et Optasia. Prêt Express est un service premier du genre sur le marché guinéen. Il est mis à la disposition des consommateurs pour faciliter le développement de l'inclusion financière, contribuer au développement de l'écosystème Mobile Money et promouvoir le financement du secteur non bancarisé. Ce nouveau produit a été officiellement lancé ce mercredi 25 janvier 2023 à Conakry. Avec Prêt Express, les abonnés Mobile Money ont la possibilité d'emprunter jusqu'à 549 999 francs guinéens en composant *440*8*2# sur le réseau MTN. Disposer d'une carte SIM MTN et d'un compte Mobile Money, être actif pendant au moins 90 jours sur les appels, recharges, passe internet, extra time et être actif sur le dépôt, retrait, paiement de factures, achat de crédit et internet via Mobile Money sont les conditions d'éligibilité au service Prêt Express MTN Momo. Saloumba Serif, directeur général adjoint de MTN Momo, explique le contenu du produit offert aux abonnés MTN. C'est dans cette optique que nous avons conçu un service financier qui va contribuer à la promotion du financement du secteur non bancarisé. Le prêt express permettra à nos abonnés d'emprunter du cash Momo en forme de microcrédit avec des taux de remboursement très attractifs. Les objectifs sont entre autres le développement de l'inclusion financière, la contribution au développement de l'écosystème mobile et enfin la promotion du financement du secteur non bancarisé. La question de l'inclusion financière est importante. L'accès aux services financiers dans le cadre du processus de développement est un élément important dans la mission de MTN Mobile Money. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec ce nouveau service, des progrès considérables sont en train d'être accomplis avec sûrement le concept de nos partenaires pour faire de l'inclusion financière une réalité en Guinée. Trois catégories d'offres sont disponibles dans le service Prêt Express MTN Momo. Il s'agit d'un premier prêt de 7 jours, un second prêt de 28 jours et un troisième prêt de 30 jours. Tout cela avec une période de grâce de 7 jours. Tienne Mamadou Dian Diallo, directeur de la banque des particuliers à EcoBank, représentant son directeur général, a déclaré que le lancement du service Prêt Express entre en droite ligne avec la vision de son institution bancaire. Participer au développement de ce produit, c'est participer à l'inclusion financière en Guinée. Et cela cadre parfaitement avec la vision du groupe EcoBank. Pour rappel, lors de notre dernière journée EcoBank en novembre 2022, le thème était l'inclusion financière pour tous, ne laisser personne pour compte. Donc le prêt express est une belle illustration et une solution parfaite pour atteindre la population non desservie par le système bancaire traditionnel et qui peine à obtenir du financement auprès des institutions financières. Le partenariat entre MTN, Optasia et EcoBank a rendu possible pour la première fois en Guinée la mise en place d'une solution digitale innovante de microcrédit qui vous permet d'emprunter jusqu'à 549 990 francs renouvelables par jour, semaine ou mois. Ce microprêt à court terme, non garanti, mis à la disposition des clients sur un porte-monnaie électronique, avec une seule ou plusieurs périodes de remboursement, aidera à promouvoir le financement du secteur non bancarisé et à favoriser l'inclusion financière. En tant que régulateur du secteur des télécommunications en République de Guinée, l'ARPT était représentée à cette cérémonie de lancement du prêt express MTN Momo. Senkoun Kaba, chargé de la supervision du Mobile Money au niveau de l'autorité de régulation des postes de télécommunications, a remercié MTN Momo, EcoBank et Optasia pour leur initiative en faveur des populations guinéennes. En tant que régulateur, nous ne pouvons que remercier l'initiative
proposée et mise en place par ce partenariat entre MTN et, passez-moi le mot, c'est Optasia. Voilà. Mettant en place cette solution innovante allant dans le sens de l'inclusion financière. De ce fait, nous remercions l'ensemble des partenaires ayant pris part à la mise en place de cette solution. Et en tant que régulateur, nous tenons à rassurer les consommateurs, l'ensemble des Guinéens, que tout effort sera fourni de notre côté afin que ce service puisse atteindre les objectifs visés. Mettre à la disposition des consommateurs du réseau MTN Momo la possibilité d'emprunter de l'argent pour leurs besoins personnels est une excellente chose aux yeux de Ousmane Keïta, président de l'Union des consommateurs de Guinée. Nous estimons que pour déjà ceux qui sont dans les consommateurs qui sont dans le commerce, je veux parler de nos sœurs, de nos mamans du marché, de nos frères qui sont sur les taxis-motos et qui, de toute évidence, dépensent beaucoup en termes de carburant et en termes de charges d'exploitation. Pour nous, c'est une excellente chose déjà qu'ils partent du physique vers la digitalisation, c'est-à-dire faire tous les achats déjà via Mobile Money. Et effectivement, selon les conditions d'éligibilité qui sont axées sur le mouvement effectivement du compte, je pense qu'il y a de fortes chances que chaque consommateur puisse avoir en temps réel, n'est-ce pas, des crédits. Je pense que c'est à saluer. C'est grâce à la Banque centrale de la République de Guinée que Ecobank a obtenu l'autorisation de sceller ses partenariats avec MTN Momo et Optasia pour satisfaire les citoyens guinéens dans cette nouvelle initiative. Ibrahima Kanda Diallo, directeur de la supervision des institutions financières inclusives au niveau de la BCRG, a encouragé la synergie d'action entreprise par MTN Momo, Ecobank et Optasia. La Banque centrale encourage la synergie d'action entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier national en vue d'atteindre les objectifs assignés à cette stratégie. Comme c'est le cas aujourd'hui, avec ce partenariat entre Ecobank et MTN Momo. Tout cela pour dire que l'événement qui nous réunit aujourd'hui témoigne de l'engagement de la Banque centrale à accompagner les acteurs du système financier à travers un cadre réglementaire propice au développement des services financiers innovants, mais à des coûts abordables. Nous vous exhortons donc à prendre les dispositions nécessaires en conformité avec la réglementation afin de minimiser les risques inhérents à cette activité. Ces dispositions ont trait aux diligences requises en termes de sécurité des transactions, de disponibilité du service, de protection des usagers et de leurs données personnelles. À travers le service prêt Express MTN Momo, les consommateurs ont la possibilité d'emprunter à partir de 10 000 jusqu'à 549 999 francs guinéens renouvelables par jour, semaine et mois dans leur compte.